Vraiment, c'est une initiative pour nous, c'est très noble. Et puis, on souhaiterait que le Melnidi aime, quoi. Vraiment, ça se lance très bien. On vient de démarrer. Et je pense que Baltimore, en termes de fréquentation, risque même de dépasser Cincinnati. Vous savez que l'acquisition la plus importante dans une vie, pour un Sénégalais, sur le plan même sociologique, c'est l'acquisition d'un toit. Et nous, de toute façon, les promoteurs que nous avons amenés, sont des promoteurs dont les projets ont été filtrés. Des promoteurs sur lesquels nous pouvons répondre. Parce qu'ils ont développé des programmes, c'est pas aujourd'hui. Ils sont connus du public sénégalais. La BHS est là aussi pour les encadrer, pour les financer. Je pense que vraiment, sur le plan de la sécurité, c'est un des objectifs, comme vous le disiez, du salon. Ce n'est pas seulement de vendre, mais c'est de rendre disponible l'information. De montrer aux Sénégalais comment faire pour éviter certains pièges. Il y a aussi le volet information. C'est très important d'informer les Sénégalais de la diaspora sur le comment, comment faire. Pour toute acquisition de biens immobiliers, il faut aller voir un notaire. Quand on vous propose quelque chose sans notaire, méfiez-vous. Nous demandons solennellement à l'État, à l'occasion de ce roadshow, de les appuyer. Parce que quand l'expertise sénégalaise commence à s'exporter dans les régions, beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin. Donc il faut encourager la création de ces champions nationaux pour résoudre cette priorité de l'État du Sénégal qui est de rendre beaucoup plus abordable le logement pour l'ensemble des Sénégalais. Kon nak légui ñi ngi leen di xaar rawati na ñi nek New York ak liko wër ñu war fa ñew samedi bi ak dimanche bi ci hôtel Renaissance bi nek ci Harlem ci wétu Apollo Tide bu ko défé ngeen mëna jënd seeni kër waxtaan ci li fay ñew wax ak yeen té nak dul di faté di gërëm ñi nga xamné ñoy sponsor yu ñu jappalé muy BHS New York ak Sablux.